potes, c'est Galoupa, j'espère que vous allez bien les potes. Écoutez, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la collaboration Nike Off-White Manet. Pourquoi? Parce que j'ai enfin pu cop ma petite paire de AM90 et Air Max 90 Off-White avec Virgil Abloh. Donc, pourquoi je suis content aujourd'hui? Parce que, mon gars, je t'explique. Septembre, il y a eu le lancement de tout ça, machin. J'ai inscrit à toutes les raffles, tous les shops qui passaient la paire et tout ça. On m'a mis des gros L sur tous les shops, mais tous, hein, tous les shops. Du coup, je me suis dit, vas-y, novembre, ça ressort. On tente notre chance, on va voir. Plus grand des hasards, on peut être tiré au sort. C'est pas un soir, genre, 10h du matin, je me lève pour aller pisser. Mon téléphone, je ne mets pas en mode avion. Il avait la wifi et genre l'écran il s'allume. Félicitations, vous avez été tiré au sort. Je fais, vas-y, je reviens. 6h du matin, je me lève, je cours sur mon téléphone, mais tellement vite. Et je vois pour la 90, vous avez été tiré au sort, je fais. Gros, impossible. Et en fait si. Bref, c'est ça pour vous dire que faut pas lâcher. Believe, croire en vos rêves. Believe, croire en nos rêves. C'est ce que je veux dire. En gros, le message il est là. Donc du coup, on va partir sur un petit review de cette paire. Je vais pas vous parler de l'historique de Virgil Abloh, tout ça. On sait qu'il était architecte, après il a été DJ, etc. Bras droit de Kanye West. Puis après, il a créé sa marque Off-White, qui est basée à Milan. On voit un peu en gros qui est Virgil Abloh. Vraiment, on va se consacrer uniquement à la paire en question, donc la AM90. C'est parti les potes, on y va. Du coup, mon gars, on commence par la boîte, parce que la boîte, elle change de toutes les autres boîtes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, en mode carton. C'est la même boîte que ça, par exemple. C'est exactement la même boîte, sauf que c'est inversé. C'est inversé, hein. T'as compris, hein. Je vais te montrer pourquoi. Toutes les boîtes de la collection The Ten de Nike Off-White sont comme ça, en mode carton. Sur le devant, marqué Nike Swoosh. Les noms changent par rapport aux paires. Je crois que pour la Zoom Fly, si je dis pas de conneries, pour la Zoom Fly, c'est marqué juste Swoosh. Sur le devant, on a du coup donc l'étiquette, taille, etc. renseignement sur la paire. C'est la même chose que pour celle-ci par exemple, sauf que là l'étiquette est transparente. Donc le nom, The Ten, Nike Air Max 90, les tailles, enfin les pointures, les sizes quoi. Numéro de série, Shinzo Lab, c'est là où je l'ai acheté du coup, là où j'ai tiré au sort. Donc 6 mères Shinzo, pointure 44. Pour la pointure, je voulais juste prendre 0,5 en plus ou genre une taille en plus. Parce que j'ai pas eu de retour sur comment tailler la paire en fait. Je me suis vite rendu compte que si je prenais la taille exacte, genre moi 43 par exemple, peut-être que j'aurais été dégoûté, très dégoûté. Enfin, aucun magasin ne reprendra la paire. Tu la gagnes, tu la payes, c'est ta paire terminée. C'est pas la bonne taille, c'est ton problème. C'est pas le problème des retailers. J'avais peur de me faire avoir parce qu'après, il fallait que j'attende de trouver un mec qui avait la taille de 43 pour l'échanger contre la mienne 44. Parce que lui faisait 44. Enfin, un bordel. Enfin, bref. Du coup, j'ai préféré prendre une taille en plus. Et en plus, c'est pas de trop. Sécurité oblige, mais tranquille. Et là devant, pour finir, donc, il y a la collaboration Shoesbox. Beaverton, Oregon, donc Oregon c'est là où situé Nike en fait, aux States. Si je regarde par là, c'est parce qu'en fait il y a mon Mac qui me sert de retour écran, parce que sur mon appareil photo j'ai pas de retour écran. Quand on ouvre la box, on arrive sur le fameux Swoosh Nike avec l'écriture Nike. C'est là que je vous disais que ça ressemble énormément aux autres boîtes, c'est simplement des boîtes inversées. Ce mec est beaucoup trop fort. Vraiment, il fait pas juste deux couleurs qui changent et puis écrit collaboration Nike Off-White. Non, là vraiment Virgil il s'est gavé, il a repris la paire, déstructuré. Attention hein, t'es quand même un truc de ouf hein. Attention. On a aussi papier de soie là qui recouvre la paire comme toutes les paires qu'on achète dans les magasins. Logo Off-White, le swoosh, Off-White encore, donc zébré blanc, zébré noir, Nike, etc. Donc vraiment marqué au maximum la collaboration qui est entre les deux parties. Quand on ouvre la boîte, on trouve trois lots de lacets. Donc il y a vert fluo, orange fluo, noir, c'est marqué shoelace dessus. Donc du coup, voilà, pour commencer à parler de la paire, je voulais prendre la paire avec le zip tie, qu'on appelle zip tie, c'est ça. Moi non plus, je vais pas l'enlever, puisqu'en fait, je vois beaucoup de gens qui veulent l'enlever. Viewmore, si tu vois la vidéo, Viewmore, ça tend que tu l'as enlevé sur ta Jordan 1, ok. Mais en fait, moi je trouve vraiment que ça fait partie intégrante de la paire. C'est pas gênant quand on marche, on le sent même pas, c'est plastique frère. Tout autour, c'est du cuir. Après je vous ferai un petit zoom, hein, pas de soucis, je vous ferai un petit review vidéo, bonne qualité et tout. Donc, on est sur du daim, là en dessous, là. On est vraiment sur de la paire cousue, même le swoosh est cousu quoi, putain. Mec, même le swoosh, il rentre dans le cuir, il ressort, enfin c'est absolu, c'est un travail de... Putain c'est beau, je suis désolé, je suis grossier, mais c'est beau. C'est beau. Alors encore une fois, on aime ou on n'aime pas, c'est la même chose. Moi j'oblige pas les gens à aimer. Mais quand tu prends la paire, tu sais à quoi t'attendre. Et franchement, quand tu connais un peu, tu t'es un peu renseigné, tu vois la paire en vrai, tu fais ah putain, elle est bonne. Ah ah ouais. Donc voilà. Si on peut parler rapidement des lacets mon gars, parce qu'en fait faut savoir que ces lacets là ils sont simples, les lacets blancs sont simples également, alors que sur la Zoom Fly par exemple, le bout des lacets blancs il est incrusté de cette couleur là par exemple. Il est incrusté de orange fluo ou de vert fluo. Au niveau couleur de la paire, on est sur une paire quand même assez claire en général, hein. À part la Presto qui de base est déjà noire,
À part ça, on est quand même sur des couleurs assez claires. On est sur une semelle appelée IC, donc transparente, translucide, bleue. Voilà, au niveau du talon, il y a marqué filon. Alors, faut grave le voir, en fait. Du coup, on regarde de près, c'est marqué filon, donc P-H-Y-L-O-N. Alors, il y a aussi un truc qui change à mort par rapport aux autres paires de Nike Off-White. Et ça, on le sait clairement, on le voit sur les autres paires. On a du gaffer, scotch noir, quoi. Donc, ce côté-là, pareil. Toutes les paires, on retrouve évidemment la petite étiquette orange, mais tout un. Toutes. Et ce qu'on retrouve sur la collection de 10 de Nike Off-White, c'est cette languette qui est genre XXL, genre qui est stockma big. Tu vois, genre big. Genre la languette, elle est genre big. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au niveau du talon, on retrouve un empiècement en cuir. Sur cette paire-là, il n'y a pas marqué, sauf que sur la Air Force One Off-White, il y a marqué logo. Je vais mettre une petite photo, il y a marqué logo avec le swoosh ancré dans le cuir. C'est archi lourd, j'aurais bien kiffé qu'il y ait la même chose sur celle-ci. Au niveau de l'empeigne de la paire, on est quand même de la languette jusque tout autour de la cheville, hein. De la mousse un peu bleutée. Mais il faut pas oublier que la base, c'est la Air Max 90 Ice. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont fait une semelle transparente, translucide, bleue, pour rappeler un peu le côté glace, machin. Donc voilà. Et au niveau du talon, tendon, etc., cheville, c'est aussi du mesh. Après, il y a des fils qui dépassent en mode... D'ailleurs, j'en ai enlevé quelques-uns, super. En mode paire, pas terminé, mais abouti. Je sais pas si vous voyez le délire. Ensuite, au niveau des œillets, il n'y a pas de truc spécifique à part vraiment cette partie-là, empiècement en plastique quadrillé. Voilà. Et donc, intérieur du pied pour finir. Intérieur du pied, comme vous voyez ici. Off-white for Nike. Nike Air Max 90. Beaverton, Oregon, USA. En gros, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Oregon, c'est là où se situe Nike. USA, donc voilà les potes. Et pour finir sur cette paire là, après je vous ferai des petits plans de plus près, un peu plus détaillés. Au niveau de la semelle, j'ai rien à dire de spécial. Et par contre, un truc que j'aurais bien kiffé voir sur cette paire là, surtout aussi abouti et aussi déterminé, c'est justement pas avoir une semelle comme ça, mais plutôt comme la Air Max Swoosh, qu'une semelle totalement transparente de bas en haut, et en plus avec un swoosh comme celui-ci. Vous le voyez bien à l'écran. Vraiment, on a un grand swoosh qui part vraiment presque du début du pied. Il fait une virgule jusqu'au niveau du talon, en fait, presque. Donc, au niveau de la cheville du talon. C'est super ouf. J'aurais vraiment kiffé qu'il y ait ça là-dessous. Qu'est-ce que vous en dites? Imaginez ça, le swoosh qui est en dessous, sur cette paire-là de Off-White. Ça serait genre énervé. Mais énervé, vraiment. Soit en noir, soit en bleu. Genre un bleu turquoise, c'est un bleu qui déchire. Mais en tout cas, je peux dire que Virgil s'est archi bien appliqué. C'est un big up énorme. C'est un gros taf qu'il a fait. Et avant qu'il ait petit plan des paires, les potes, juste, je vais finir avec le fait que j'en discutais avec des gens l'autre fois et on disait que Virgil Abloh, il a fait du taf de ouf. Et surtout, il s'est pas contenté de prendre une paire de 90, par exemple. Il a pas fait deux couleurs dessus. Ou alors, il a pas mis juste des lacets, shoes lace. Là comme ça, il a dit hop, on a crié collaboration. Non en fait, tellement pas. Il s'est fait chier à imaginer, vraiment essayer de réinventer la paire d'une manière déstructurée, vraiment dans le buy Off-White, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, il s'est gavé. Ma paire, j'en suis tellement, mais tellement amoureux, j'en peux up. Donc voilà les potes, du coup la vidéo est terminée. Si elle t'a plu la vidéo, tu mets un gros pouce bleu en l'air, comme la semelle de cette 90 Off-White, mon gars. Tu laisses un pouce bleu en l'air pour le travail qui est effectué sur la chaîne YouTube, le travail que je me bute à faire pour vous, pour moi, pour notre plaisir commun. Soutiens-moi, abonne-toi à la chaîne, mon gars, ça m'aide beaucoup, ça me donne de la force. Et écoute, petit plan vidéo sur cette paire de Off-White, 90 Off-White. Sur ce, mon gars, porte-toi bien. Prends soin de toi, l'amour en balle comme d'habitude, oublie pas mon gars. Et à bientôt pour une prochaine vidéo mon petit pote. Ciao.